C'est la cocotte TV. Les amis, nous sommes le dimanche 30 octobre 2022. Demain, c'est Halloween. Ouh, il est 22h et vous êtes sur la Cocotti TV. Attends, mais faut que je push ça pour que ça aille sous sa tour et que je sois tranquille. Laisse-moi tranquille, Mundo. Je possède de l'antile. Il va encore me tuer ? Oh non, il est niveau 5 ! Ah bah super ! Oh non, mais casse-toi! Non! Oh non! Oh bah, c'est perdu, hein. Marv! Oh non! La boule est revenue sur moi parce que Marv est mort! Du coup, mon ulti était tout pourri. Ah là, faut passer en mode retraite, mais bien comme il faut. Oh, l'ulti qui whiff, ça c'est... Oh, c'est terrible. C'est absolument terrible. On voit que vous êtes tous et toutes... très impliqué dans le dénouement de cette affaire. Quelques secondes de la fin du vote. Et c'est Vex! C'est Vex qui l'emporte à 22 voix contre 8, soit 73% des suffrages exprimés. Vex, les amis, est de retour. Et après une game un peu difficile qui malheureusement l'a vu décéder, elle a désormais l'occasion de se venger. Ça fait plaisir. 30 votants sur 60, belle implication du chat. Hein. Très très belle implication du chat. Ah et puis moi j'y vais aussi au pire moment. Je vais manger les fruits comme Sona veut pas le faire. Triplé ! Ah bah ouais, mais... mais on l'avait dit ! on l'avait vu venir. Bah super, hein. Oh oui. Oh oui ! Panthéon ! Vol de vie. Ah, je suis mort ici. Je suis mort. Un peu flash ? Oh non ! Ouais, je vais jouer avec eux. Allez, on va chercher. Voilà. Non, il va faire des choses. Et du coup, que ce soit une option... En fait, que ce soit une option stratégique et intéressante à choisir pendant la game plutôt qu'à l'avance. Moi, je trouve que c'est une bonne idée d'avoir mis téléport en enchantement. Ah, mais on perd, là. Oh là 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 là. Bah ouais, c'est ça continue. Sur une arnaque, on tue Irelia. Ça nous met bien. Okay, je vais lancer tous mes soins sur l'équipe, là. Mais Irelia dans le fond... Oh... C'est scandaleux. Je croyais que quand tu disais loupé, tu parlais de l'Hérald. Non, je sais bien que l'ulti de Senna met pas de dégâts au monstre. Moi aussi, hein. D'ailleurs, plutôt pas mal en ce moment. Hein. Ça a l'air plutôt pas mal. Et le passif de Kai'Sa, qui est une bonne partie de son burst, il scale sur l'AP aussi. Ulti vaille, hein. Faut les faire les choses, là. Yes. Okay, on s'en sort. Le bisou a été esquivé, ça fait plaisir. La cage aussi, le grappin, non. C'est jouable sur celle-ci. Oh mais Rengar, il veut duel. Ça lui a pas suffi la première fois. Voilà. Bon, par contre, elle a réussi à prendre une tour. Bah, mon ulti. Ah non. J'aurais pas dû. Je suis un peu en train de me mettre en danger, là. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Bon bah rip. Non. Non. Mauvais positionnement. Rien qui va. My bad. Ah, c'est ma première mort. Oh, c'est ma première mort. J'ai donné un shutdown. J'ai donné un petit 850 à Tristana. Est-ce que c'était une bonne idée? Je ne pense pas. Mais mécaniquement, il y a des joueurs qui sont très corrects en émeraude. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais vraiment, les décisions ont pas de sens. Ah oh, bah ouais, il se heal. Bon bah cette game-ci, c'est foutu. Hein. En parlant de Morgana, la voici. Un petit ignite, comme ça elle arrête de régène avec son passif de zozo là. Oh là! Oh la violence du retour des plumes! J'ai pas eu le temps de mettre le heal parce que je suis mort. Qu'est-ce qu'il fait?
Mais qu'est-ce qu'il a foutu, TF? Les dégâts que je mets. Oh mais non, mais vous êtes combien? Bon, c'est my bad. Fallait le tenter. Fallait le tenter. Point. Bon, en fait, même pas besoin de l'ulti pour la faire disparaître. L'ulti à Ryo, calme. Ah, l'ignite. Dommage. Dommage, dommage. Laissez-moi tranquille. Oh, je m'en fous, je vais casser la tour. Oh, il y a un truc que j'arrive pas à comprendre. Il y a vraiment un truc que j'arrive pas à comprendre. Et je vais passer pour un idiot en le disant, quoi. Un petit all-in. Voilà. Parfait. Émeraude, tu perds en 10 minutes, quoi. Par contre, en diamant, ils font des erreurs type diamant qui sont punies par les joueurs diamant et du coup, ça leur fait perdre la game. Mais les erreurs que les joueurs diamants font, les joueurs émeraudes, ça va même pas les exploiter. Raven qui a repris de l'avance, 19 à 18, 22, oh là là! Les 3 votes à la dernière seconde et à la toute dernière seconde, c'est Zaya qui l'emporte à 22 voix contre 19. C'est Zaya qui va ressusciter. Oh, les 3 votes. Il y a eu 3 petits malins qui ont attendu la dernière seconde pour voter. Félicitations, Polaris fait partie des 3. La résurrection de Zaya. Bon, bah voilà. Est-ce que l'Ignite était trop? Non, l'Ignite était pas de trop en vrai. En vrai, l'Ignite était pas de trop. Le dragon est toujours en vie. 2 voix d'écart pour l'instant. Est-ce que ça va bouger? 3 voix d'écart. Et c'est Renekton qui l'emporte à 3 voix d'écart. 17 voix contre 14. Renekton ressuscite, les amis. Le retour du crocodile. Il a le droit à une deuxième chance. Félicitations à lui. Surtout que Fiora, c'est un danger mortel. C'est un danger mortel, sauf si on la fume. Hein. Yes. J'ai juste assez de mana pour dash dessus. C'est quand même stylé qu'on gagne cette game. Voilà, on attend gentiment la fin de son bouclier. Oh, il s'est envolé. Il est parti, le bug. Il est pas très tanky, Bob, ton Mumu. Il y a une cape solaire. Enfin, ici, le météore. Tout petit peu trop loin. Tout petit peu trop loin. Il y avait l'idée. Regarde-moi ce qu'ils font, quoi. Ouais, bon, bah, c'est loose. C'est loose. Grouper, c'est gagné, quoi. Là, j'ai envie de bourrer, tu vois. Si je bourre, ça passe, vous pensez? On tente. Ah, effectivement, le Zonia ferait du bien. Oh, ils arrivent à perdre le... Ah ouais, bah, fallait pas que j'aille avec eux, du coup. Oh non, mais pourquoi ils ont forcé ce fight? Mais non, c'était bien jusque-là. Ça compte pas comme un 1v1 là. Du coup, on a baisé quasiment. Oh, je pensais que si je mettais un ult. En fait, elle est indéplaçable pendant son ult, Vex. Je pensais que si je mettais mon ult avant, j'allais la rebalancer. Il fallait attendre qu'elle arrive. Oh, ils nous butent tous du coup. C'est vraiment fort cette affaire. Hein. Victoire. Oui.